Donc bonjour, bonjour, bienvenue sur Scooter et Mécaboîte. Donc aujourd'hui, toute petite vidéo, je viens de désosser intégralement le moteur de la Virgo. Et j'ai trouvé l'origine du blocage du moteur. Donc ce n'était pas un serrage comme je pensais au départ, c'était moins grave. Mais dans tous les cas, il aurait quand même fallu que j'ouvre le moteur. Donc ça me serait quand même revenu assez cher. Je vais vous montrer. Alors je fais cette vidéo, c'est pour répondre à un commentaire. J'avais eu un commentaire sur la vidéo quand j'avais niqué le moteur de la voiture, qui m'a dit, ouais, mais en même temps, t'achètes un moteur à 120 €, faut pas s'étonner. Bah ça veut rien dire. Parce que le moteur, je l'ai acheté 120 € parce que c'est un casseur qui l'a vendu. Et le moteur avait 22 202 km. Mais il n'a pas serré à cause, ou il n'a pas lâché à cause du fait que le moteur, je l'ai payé que 120 €. Il a lâché parce qu'il n'y avait plus d'huile dedans. Chose que j'avais dit dans la vidéo d'ailleurs. Et maintenant, je vais vous montrer le problème qu'il y a eu. Donc, le problème qu'il y a eu, je vous montre le premier piston. La première bielle. Elle est nickel. Le coussinet, enfin le chapeau, il est nickel. Maintenant, on passe au deuxième, à la deuxième bielle. Et là, comme vous pouvez voir, et ben celle-là, elle est défoncée. Pareil sur le chapeau. Alors, regardez, si je vous mets les deux côte à côte. Là, pareil, si je vous mets les deux côte à côte. Donc, ce qui s'est passé réellement, c'est que ce biel-là s'est soudé au vilebrequin. Je tiens à préciser que chez Lombardini, il n'y a pas de coussinet de bielle. Donc, c'est des moteurs qui sont réputés pour avoir ce problème-là, justement. Bon, moi, c'est dû à un problème d'huile, hein. J'avais pas d'huile dans le moteur, donc voilà. Mais ça peut arriver sur les Fox. Ça peut arriver. Même quand vous avez de l'huile, si vous avez une pompe à huile défectueuse ou un truc comme ça peut arriver. Moi, le moteur, il avait 22 202 km. Ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y avait plus d'huile dans le moteur. Les pistons, je les ai regardés, mis à part qu'ils sont pleins d'huile. Ils ont rien. Même celui où la bielle elle a mangé. Il a rien non plus. Le bloc, il a rien. Dès que j'ai enlevé le vilebrequin, j'ai pris le piston avec mon doigt, puis. Et il est sorti. Donc arrêtez de dire que quand ça coûte pas cher, c'est normal que ça lâche. Ça veut strictement rien dire. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors je n'ai pas fait le démontage en vidéo parce que avec l'huile qui dégueulait de partout, là on croit pas, mais j'ai tout nettoyé. Hein. C'est la première fois que j'ai tout nettoyé. Ma tenue de mécanique, c'est la deuxième parce que l'autre, je l'ai complètement blindé d'huile. Bah forcément, hein, même si le moteur a été vidangé, il y a toujours de l'huile qui reste à droite à gauche. En plus, c'est de la 540 qui avait eu une mie dedans. Donc l'huile la plus liquide qui existe. Là, faut encore que je nettoie les clés à choc et voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Vidéo très courte. Ma caméra vient de se couper. Vidéo très courte, je disais. Et pensez à vous abonner aux chaînes YouTube que je recommande. LG Motorsport Racing, Mambo 11, Gotha 11. La chaîne YouTube de mon petit frère, Stremix 2.0. Et abonnez-vous aussi à la chaîne YouTube Bruno Devine pour les voitures sans permis. Et on se dit à une prochaine.